Bonjour à tous. Bah alors aujourd'hui, on va se rendre au restaurant My Noodles, un très bon restaurant pour manger des nouilles. On va utiliser l'application Sonar Vision. Alors, on va lancer un trajet préparé. Scanner le bâtiment à proximité jusqu'à l'isolation pour commencer le village. Là, on va scanner l'environnement. Je pense que je vais réduire les Village lancé débits vers quand My Noodles. même. Alors, Prochaine étape, traverser là, le le village son d'environ 86 mètres. grave, là, ça permet de nous orienter et quand c'est aigu, c'est la bonne position. 75%, Voilà. 70%. On va se mettre à 70% en débit. Passage piéton sur votre gauche. Aligné avec Là, la vous traversée, voyez. à la fin, continuez à droite. Et vous entendez le son à gauche. Donc, il faut que je m'aligne avec la passage piéton. Voilà, c'est parfait. Fin de la traversée, Voyez, continuez à j'avais droite. mal traversé. Dans 5 mètres, traversez rue du Rhin Le sur votre droite. son m'a orienté vers la droite. Hop, Passage piéton sur votre voilà. droite. Aligné avec la traversée, à la fin, continuez à gauche. Passage piéton devant vous. Aligné avec la traversée, à la fin, continuez tout droit. Là, c'est vert, c'est parfait. Fin de la traversée, continuez tout droit. Prochaine étape, prenez à droite dans 82 mètres sur boulevard des Invalides. L'avantage de l'application, c'est que elle permet de marcher super droit pour les traverser. Et par exemple, si on se décale, ça va vraiment nous orienter, ça va permettre de pas nous mettre en danger. Tournez à droite maintenant sur boulevard des Invalides. Là, vous voyez, directement à 1 Prochaine mètre étape, de traversez rue précision. de Sèvres à 160 mètres. Par exemple, rue de Sèvres, c'est une des traversées pour moi la plus compliquée. Et comme il y a beaucoup de circulation, c'est pas facile. Fin de la traversée, continuez à gauche. Prochaine étape, traversez boulevard du Montparnasse dans 21 mètres. Fin de la traversée, continuez à droite. Prochaine étape, traversez rue du Cherche-Midi dans 205 mètres. Passage piéton sur votre droite. Aligné avec la traversée, à la fin, vous êtes arrivé à la centrale. Parfait. C'est vert. Îlot central à temps. Gauche. Là, vous voyez les grands îlots comme ça, c'est super dur en temps normal. Parce qu'on n'a pas de support pour pour longer de murs. Passage piéton devant vous. Aligné avec la traversée, à la fin, continuez tout droit. Hop, parfait. À droite. Fin de la traversée, Voilà. continuez tout droit. Pas de problème. Rue de Chevreuse. Il y a une flaque d'eau là. Arrêtez de scanner les bâtiments à proximité jusqu'à validation avant de continuer. Reprise du Je pense que. Voilà. Trajet en Non, cours. franchement, c'est super efficace. Oui, en Dans quelques 15 mètres, secondes, traversez ici rue où de on Chevreuse est. devant vous. Ah, on arrive bientôt. Dans 15 mètres, tournez à gauche. Destination finale dans 5 mètres. Vous êtes arrivé à Et votre voilà, destination. on est juste devant le restaurant. Avertissement, destination atteinte. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster un bon bol de nouilles. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ce trajet vous a plu. Toujours, je vous conseille quand même de partir avec une bonne batterie. Privilégier des casques à conduction osseuse, c'est pas très cher, hein, franchement. Restez prudent quand même, c'est important. C'est un GPS, mais le plus important, c'est vous. N'oubliez jamais ça, c'est... Il faut que vous soyez à l'affût des voitures, des feux de circulation. C'est mon ressenti sur l'application, en tout cas.
Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.